Agression, télé-réalité, inversion de victime, voilà, c'est l'histoire du jour. C'est l'histoire d'Aurélie Preston, hein, une meuf télé-réalité, voilà, elle a fait les anges, elle a fait toutes ces merdes-là, vu qu'elle a une carrière exemplaire dans le fait de faire n'importe quoi. Voilà, qui a l'air très gentille au demeurant. Elle a même fait une autobiographie. Non mais j'ai rien contre les gens de télé-réalité, hein, je respecte, hein, ils gagnent plus d'argent que moi et c'est bien fait pour moi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est qu'en fait, elle avait son ex-copain en Suisse qui lui devait de l'argent. Apparemment, ils ont une relation, comme ils appellent ça, tumultueuse. Bon, ça veut dire qu'ils s'embrouillaient, quoi. C'est ces gens-là, c'est des gens qui ont des relations amoureuses. C'est pas... ils ne sont pas amoureux par plaisir, c'est juste pour s'embrouiller tout le temps. Tout ça, ces gens-là, franchement, c'est abusé. Alors, je sais pas exactement si le mec, c'est un connard ou pas. En tout cas, voilà, ça, c'est quand même relou. Conseil pour les gens, essayez d'avoir des relations amoureuses calmes. Vous allez voir, ça existe et c'est cool. Donc, le mec, je sais pas si c'est un connard ou pas, hein, qui a fait n'importe quoi. Donc, apparemment, elle a dit, il me doit 100 000 balles. C'est fou, ces couples, quand ils ont des embrouilles, ils ont l'embrouille de 100 000 balles, tu sais. Moi, avec mes ex, les embrouilles, c'était 20 balles. C'était un livre, un DVD qu'elle n'avait pas rendu, tu vois, c'est vraiment nul. Donc en fait, elle envoie des gars dans son domicile parce qu'il a un domicile à Versailles, le gars. Ils arrivent là-bas, le mec, il le séquestre, il le tape, il le machin, il dit « Vas-y, donne-moi ton argent, donne-moi tes montres. » Ils lui font mal, quoi, tu vois, ils partent de la maison avec des montres, du liquide, tout ça. Déjà, qui a des montres à 25 000 euros Voilà, et donc ils ont tout pris. Sauf que, en fait, c'était pas l'ex-copain, c'était le frère de l'ex-copain. Ils se sont dit, oh, bah, il se ressemble, ça va être lui. Non, bah, c'était pas lui en fait. J'imagine trop, le frère de l'ex-copain, il a chargé, il s'est fait taper dessus, il s'est fait vraiment violenter, et c'est pas lui. Alors même si c'était lui, ça aurait été pas bon, tu vois, c'était pas cool. Mais là, je trouve, le fait de se tromper, c'est... Puis avant, les mecs, ils ont tapé, ils disent, mais t'es sûr que c'est le bon gars ou pas? Bon, bah, c'est pas grave, au pire, on piquera des montres de luxe. Ah, mais je trouve ça fou, quoi. Puis le frère, il doit trouver ça trop injuste, c'est... Ouais, je me suis fait taper à cause de mon frère, et... Ou c'est peut-être le frère qui est sadomaso qui a dit non, c'est moi le frère, tapez-moi. T'es. Puis il est là, il s'est accroché lui-même. Vas-y, tapez-moi. Je ne sais pas, on ne sait pas. Alors je lis un article, hein, j'arrive pas à savoir pourquoi Aurélie Preston est connue. En plus de d'être en maillot de bain, la terre. Peut-être que c'était un prix Nobel, on ne sait pas. Bon, bref, du coup, la justice, elle va vraiment, je pense, bien les triper. Elle va avoir des gros problèmes, je pense, parce qu'on arrive sur un truc un peu hardcore, quoi. Mais en fait, tu sais, ces gens-là, ils ont quand même vraiment pas du tout la même vie que nous, tu vois, parce que c'est vrai que moi, si j'ai un embrouille avec une de mes ex, bah, je vais pas envoyer quelqu'un. Enfin, qui t'appelle quand c'est comme ça? T'appelles des Tchétchènes? Ouais, je connais des Tchétchènes, mais ils sont très sympas, en fait. Il y a un numéro pour tabasser des gens ou pas? C'est quoi l'histoire? Où tu vas dans un endroit, il y a un quartier de Paris, où j'aimerais bien tabasser quelqu'un, cool, et je vais prendre en plus une petite glace? Non, je sais pas. Non, mais c'est là que tu vois que les gens de la télé-réalité, ils traînent vraiment avec des gens dans un monde qui est vraiment pourri. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs s'il y a quelqu'un de la télé-réalité qui fait pas de la merde. Et ces gens-là, il y a quand même cette meuf-là, elle a 650 000 personnes qui suivent sur Instagram. Et moi, je peine à avoir 5 000 abonnés. Moi, je pense que quand même aussi, il faut responsabiliser les gens qui s'abonnent à ces comptes-là, qui regardent ces trucs-là. C'est aussi de votre faute tout ça, en fait. Voilà, je vous le dis, je dénonce, c'est comme ça. Je vous cache pas que je savais pas qui c'était Aurélie. Donc, du coup, j'ai un peu regardé sur le ChatGPT. Alors, apparemment, il est à Marseille en 91. T'as l'impression qu'à Marseille, soit t'es mauvais joueur de foot, soit tu fais la télé-réalité. Donc, elle a fait les Merci en Thaïlande, les Anges de la télé-réalité 8. C'est même pas une des meufs qui a fait la première des choses. Tu sais, quand tu fais les Anges de la télé-réalité 8, t'es vraiment le fin fond de la télé-réalité, quoi. Tu vois, t'es la personne qu'on veut jamais prendre quand on veut faire du foot. T'es le petit copain moche qui à 5h du matin, que personne ne veut, mais comme il n'y a personne, bah, tu le prends parce qu'il a le permis pour te ramener en voiture. Donc elle a tenté la musique. Ah ouais. Avec Something for Ya and All We Have. On va voir si c'est bien. Oui, pas ouf. Bon, je viens de voir les controverses, c'est pas très cool pour elle. Oh, oula, courage à elle en tout cas. Bon, après ils disent elle s'est embrouillée pendant les émissions de télé-réalité. Bon, ils s'embrouillent tous, l'émission de télé-réalité, c'est le principe de télé-réalité. Mais après, il lui est arrivé des trucs d'harcèlement, tout ça, la pauvre, donc courage à elle, ça va pas être facile. C'est pareil, les connards qui mettent sur les réseaux sociaux qui insultent d'autres gens. Tu vois, moi je l'insulte pas, c'est juste cette histoire que je raconte. Et en fait, je respecte au final la personne qu'elle est, tu vois. Mais je trouve fou que sur Twitter, machin, les mecs, ils insultent tout le monde. Moi hier, quelqu'un quand même qui a insulté ma mère de vieille pute, c'est fou. Mais pourquoi autant de violence?
Voilà, donc en fait c'est surtout parce qu'elle a critiqué la télé-réalité, donc du coup elle a pris les contours. C'est vrai que le problème c'est quand tu critiques un truc dont tu fais partie, c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas courage à elle sur ça, sur ce sujet-là. Bon bah alors attends d'y réfléchir en prison. Bon en tout cas, dis-moi en commentaire si t'as vu la vidéo jusqu'à la fin, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a fait un peu marrer, t'as appris quelques trucs. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre un petit commentaire. Tiens, tu mets oups, je me suis trompé de compte YouTube si t'as vu la fin de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup à vous, vous êtes extraordinaire, fabuleux. Bonnes vacances. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc qui on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sur Amazon, ça vaut 10 euros et ça m'aide vachement. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo.